Je vous salue tous, très bon, et notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Je sais que ce matin, tu ne seras pas brûlé. Je sais que ce matin, tu ne seras pas déçu. Je sais que ce matin, le Saint-Esprit est là. Je sais que ce matin, El Shaddai est là. Je sais que ce matin, Jéhovah Sabaoth, celui qui combat pour toi, est là. Je sais que ce matin, Jéhovah Jireh, il est là. Amen. Amen. Mais moi, j'aime beaucoup chanter pour le Seigneur. Je vais demander aux musiciens. Mais après ici. Nous allons chanter Sifubwana. Alafu taimba. Sifubwana. Adorez le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ces chants. Yes. C'est moi, Sifubwana. Alléluia. Bon Jésus. N'a pas dans le Thank you.
pour ta présence. Nous te disons merci pour la révélation ce matin. La Bible déclare, il y avait silence une demi-heure au ciel. Il n'y avait personne qui pouvait prendre les livres et en rompre les sceaux. Mais l'ange cria, les rejetons de David, il est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Seigneur, ce matin, donne des révélations dans nos cœurs. Donne des révélations dans nos cœurs. Que nous soyons libérés à écouter ta parole ce matin. Jéhovah Jireh, nous voulons te voir en action. Jéhovah Shalom, nous voulons te voir en action ce matin. Jéhovah Shalom, nous voulons te voir en action. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je salue ta présence, sauvé de nous. Jésus-Christ sois élevé ce matin en ces lieux. Jésus-Christ, touche ce matin. Transforme ce matin. Au nom de Jésus. Que les saints disent amen trois fois. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Thank you. Merci beaucoup les musiciens. Amen. Ah, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Parce que votre pasteur, il chante. Il joue aussi. Et il y a beaucoup de gens qui jouent aussi. Et moi, je vous dis, si on me donnait des musiciens comme ça ici, je vais changer Québec. Six mois seulement. Amen. Amen. Donc vous êtes vraiment bénis. Je vous dis que vous êtes bénis. Amen. Pourquoi vous êtes bénis? Il y a un homme de Dieu dans la Bible. Il est allé quelque part. Il voulait parler. Mais il dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas de musiciens ici dans cette ville? Et quand les musiciens sont venus, ils ont chanté, la gloire était là, et il a libéré la parole. Alors moi je crois beaucoup, quand les gens chantent, les chantons, les chantons. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je sais que tu ne seras pas déçu. Ce matin, je vais partager avec toi les quatre clés pour résister les diables. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, nous avons un problème. On a joué à Tunashiga. Au niveau de l'église. Kanisani. L'église n'est pas initiée. L'église n'est pas initiée. Oh, l'église doit être initiée. Parce que vous avez la puissance. Et tu dois comprendre que j'ai la puissance. Partout où tu marches, tu dois comprendre que Satan est sous mes pieds. Partout où tu marches, tu dois savoir que les sorciers et les démons, ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi moi je vais t'enseigner ce matin quatre clés pour résister l'ennemi. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. A commençant par le verset 18. Yohana 19, kuanza mstari wa 18. Jusqu'au verset 22. Yohana 19, mstari wa 18 hadi 22. Alors je vais demander à notre sœur de vous faire la lecture en swahili. Dada yetu akatufanyie usomi katika Kiswahili.
wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja na yeye, mmoja huko na mmoja ngambo nyingine. Naye Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Nazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubishwa Yesu palikuwa karibu na mji. Nayo iliandikwa kwa Kiebrania, kwa Kirumi na kwa Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani wa Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule alisema eti mimi ni mfalme wa Wayahudi. Naye Pilato akawajibu, niliyoandika nimeandika. Amen. Nimeandika. Chevi. Amen. Dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Le grand problème avec l'église. Shida kubwa na kanisa. Nous ne prenons pas la parole de Dieu. Tuchukue neno la Mungu. Prends la parole de Dieu. Mupendwa chukua neno la Mungu. Applique la parole de Dieu dans ta vie. Kia neno la Mungu kwenye matendo maisha yako. La parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est Dieu. Ni Mungu yeye mwenyewe. Amen. La parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est ce qui a créé l'humanité. Ndiye ameumba ulimwengu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est ce qui a transformé ta vie. Ndiye anayegeuza na kubadilisha maisha yako. Nous prenons la parole. Wakati tunachukua neno. Nous n'appliquons pas la parole. Wala hatuitie kwenye matendo. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Tu peux pleurer comme tu veux. Unaweza kulia kama unapenda. Tu peux dormir par terre. Unaweza kulala hata chini. Mais si tu n'utilises pas la parole de Dieu, ta vie restera le même. Maisha kabaki yale. Ta vie va pas changer. Maisha hayatabadilika. Prends la parole de Dieu. Chukua neno la Mungu. Applique la parole de Dieu dans ta vie. Tumikia neno la Mungu maisha yako. Parce que ce qui est écrit. Sababu yale inaandikwa. Est écrit. Il n'y a pas personne qui peut l'effacer. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien-aimé dans le Seigneur. Quatre clés pour résister à l'ennemi. Première clé, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois savoir que ce qui est écrit pour toi est écrit pour toi. Il a fait peur au roi. Il a tétémé chez Wafan.
mchanga. Un roi. Mfalme mzima. Qui était bébé. Mfalme ambaye alikuwa mtoto mchanga. Mais il avait peur. Lakini ametetemesha. Un roi qui était déjà vieux. Non. Ametetemesha mfalme ambaye alikuwa mtoto mchanga. Parce que c'était écrit. Sababu ilikuwa imeandikwa. C'était dans le plan de Dieu. Amen. C'était déjà écrit. Il serait le roi des rois. Voilà pourquoi quand le roi a entendu cela, il dit je vais les chercher. Je vais les chercher pour les détruire. Mais il ne peut pas détruire ce que Dieu a planifié. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il ne peut pas détruire ce que Dieu a planifié. Je suis né de nouveau. Ce n'est pas parce que moi je veux. Mais c'est parce que Dieu, il veut que je sois né de nouveau. Ce n'est pas moi qui a choisi Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui m'a choisi. Il tombera mille à tes côtés.
tu comprends la parole? Yes. Il est écrit. Ce qui est écrit pour toi. Qu'est-ce qui est écrit pour toi? La Bible déclare. Il viendra un seul chemin. Yes. 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 Il viendra un seul chemin. Oh, Moi j'aime beaucoup Dieu. Appelle à nous. Parce que quand les gens se complotent quelque part, ils parlent n'importe quoi à mon nom. Yes. Moi je ne suis pas là. Yes. Mais Dieu, mais Dieu, il est là. 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 Il est là ce matin. Tout ce que les gens sont en train de parler pour toi. Peut-être que c'était la malédiction. Ce matin. J'ai dit les chaînes vont tomber ce matin. La malédiction va te quitter ce matin. Oh la maya la masque. Moi j'aime beaucoup mon Dieu. Quand il se complote, lui il est là. Lui il voit. Et ensuite il dit, Tando ne connaît rien. Tando, moi, Tando, je m'appelle Tando. Oh. Alléluia. Tando a joué l'autre. Yes, sir. Mais Tando connaît. Tando en a joué. Parce que Tando, il est connecté au ciel. Amen. 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 Ce n'est pas moi qui a dit cela. La Bible dit ceci. Celui qui était mort. Il est allé dans les lieux inférieurs. Il est monté au ciel. Et il nous a donné des dons. Il nous a donné des dons. C'est-à-dire là où je suis. J'ai le ciel à moi. Est-ce que tu as compris quelque chose? Là où je suis, bien-aimé. J'ai le ciel à moi. Parce que la Bible déclare. C'est lui qui est monté. Celui qui est allé dans les régions inférieures. Amen. Oh. Ah, Makaburini. Amen. Il est monté encore au ciel. Amen. Et il nous a donné des dons. Amen. Des dons. Ça y est à moi. Mais quoi, c'est que toi tu as besoin? Bien-aimé, c'est que toi tu as besoin. C'est seulement la parole. Mm. Tu n'as pas besoin de l'argent. Tu n'as pas besoin de mari. Tu n'as pas besoin de femme. Tu n'as pas besoin de richesse. Mais tu as besoin de l'argent. Sorry, de la parole. Tu as besoin de la parole. Pour changer les choses. J'ai le ciel à moi. J'ai le ciel à moi. Le ciel. C'est la parole. Amen. Amen. Le ciel à moi. Pour changer de vie. Ce qui est écrit est écrit pour toi. Amen. Deuxième chose. J'ai parlé de la parole. Ça c'est un la parole. De la prière. La prière. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici en Zélie? J'étais béni quand on m'a dit que ces enfants gênaient. Je conduis une église. Quand on leur dit de gêner, c'est difficile. Ils ne sont pas capables. Amen. Vous avez la grâce. Nous avons la grâce. Quand je vois les petits enfants comme ça gênés, j'ai beaucoup glorifié le Seigneur. Amen. Amen. Je me posais la question, ces enfants ont gêné. Oh, j'étais béni. Mais la prière, peut briser les chaînes. Amen. Amen. Bien aimé, la prière peut ouvrir des portes. La prière, c'est quelque chose de très très important. La Bible déclare, les disciples, ils étaient dans le trouble. Ils ont arrêté Jacques. Ils ont arrêté et puis les tués. On l'a tué. L'église n'a pas compris. Mais alors qu'ils avaient la puissance. Ils avaient la puissance.
Mais cela n'a pas arrêté la mort de Jacques. Alléluia. Cela n'a pas arrêté la mort de Jacques. Mais on a arrêté à Corbière. Parce que c'était les habitudes. Les habitudes dans ta vie. Amen. Les habitudes dans ta vie. Les habitudes, c'est-à-dire tu vois les maladies qui cycliquent. Ok, mambo aliyo kuzoea, mazoezi katika maisha yako. Amen. Kubariki. Asante mzee. The malady cyclic. Magonjwa ya kuendelea. C'est-à-dire hata usemi mwenye chaque janvier. Mwezi wa kwanza. January. Yes. Kila kwa wakati matatizo kwa kidoba. J'ai des problèmes dans ma maison. Chaque janvier tout. Kila mwezi ya kwanza un problème dans la nyumba. J'ai des problèmes dans ma maison. L'habitude, les maladies cycliques. Kawaida magonjwa. Les problèmes cycliques. Shida zenyewe zigeukaji. Et ils ont dit. Alafu akasema. C'était l'habitude. Kama zile ils ont arrêté Pierre. Wamchukua na Petro tena. Ils ont arrêté Pierre. Wamchukua Petro tena. Mais notre Dieu. Mungu wetu yeye. Il arrête les habitudes. Yeah. 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 Amen. Oh, Dieu. L'église. Calice. Ils se sont élevés. Wakainuka. La Bible déclare qu'ils cessaient de prier. Wakainuka. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Cela a changé l'atmosphère. Alléluia. Amen. Cela a changé l'atmosphère. La Bible déclare l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est entré. Ce matin, l'ange de l'Éternel est là. Amen, 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 amen. Ce matin, est-ce que tu comprends quelque chose bien aimé? Je ne sais pas ce que toi tu traverses. Je ne sais pas ce que toi tu traverses. Mais je sais. Je sais qu'il y a des chaînes spirituelles. Ce matin, il va les briser ce matin. Amen. L'ange est entré. L'ange est entré. Quand l'ange est entré, il a appelé la lumière. Amen. Quand l'ange entre, il amène la lumière. Oh, la lumière n'est autre que Dieu lui-même. Amen. La Bible déclare du sein des ténèbres. Toka, ulimwengu wa giza. Ça, tu comprends quelque chose? Je vous l'ai dit, mon frère. Du sein des ténèbres. Toka, ulimwengu wa giza. Jaillit la lumière. Des saints de ténèbres jaillit la lumière. Amen. En d'autres termes, là où il y a le problème, Dieu intervient dans le problème et il te donne la solution. Pierre se retrouvait. Pierre se retrouvait dans la prison. Il était dans la prison. L'ange a apparu. Alors que les portes étaient fermées. Alors que les portes étaient fermées. Alors que Pierre, il était très bien gardé. Avec 16 personnes, y compris des sentinelles. Mais l'ange de l'Éternel, il est entré jusque là où Pierre était. Mais ce qui m'étonne dans l'histoire, on va tuer Pierre demain. Mais Pierre s'est couché. Il était endormi. C'est toi qui as compris quelque chose. Toi, tout simplement parce que on t'a injurié là-bas. Au travail. Tu rentres à la maison. Les enfants auront du pain. Maman, on dit rien. Maman, tu sais. Bien aimé. Même s'il y a des problèmes dans ta vie,
Tu dois avoir l'assurance que nous avons un Dieu qui est capable de me libérer. Alléluia. Pierre avait des problèmes très sérieux. On va les tuer demain. Mais il était là. Il avait l'assurance que l'église était quelque part en train de prier pour lui. Est-ce que tu comprends quelque chose? Mais moi, je n'aime pas les chrétiens qui réagissent vite, vite. Upendo misi furaha yetu wa Kristo ambao wanashtuka haraka. Amen. Et petit problème seulement. Kashita kadogo. Ah, il va s'emporter. Mara moja. Il va crier. Analalamika. Il va faire ceci. Anafanya mambo ya calme-toi bien. Tulia kwanza kidogo. Amen. Calme-toi bien. Tulia kwanza. S'il y a des problèmes. Kama kuna shida. Présente des problèmes dans la présence de Dieu. Amen. Oublie cela. Parce que Pierre, il était en prison. Il était en prison. On va le tuer demain. Mais il s'est couché. Il s'endormait. Pourquoi? Parce qu'il avait la paix en lui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la paix en eux? Jésus-Christ, le prince de paix, il est en toi. S'il est en toi, même s'il y a un problème, il ne faut pas que tu sois agité. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois agité. Il y a des gens qui sont agités pour rien. Tu peux être agité, tu ne changeras rien. Quand il y a un problème, agénie-toi. Parle à ton Dieu. Il t'écoutera. Il va te répondre. Parce que la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu es agité? C'est tout le monde qui doit savoir que toi tu as des problèmes. Est-ce que c'est toi qui as des problèmes? Toi qui as des problèmes? Ah, mais il y a des coups, les canissa. Je suis parti dans cette église. Voilà ma chida. J'ai des problèmes. Elle ne va pas tirer ma solution. Ne veut même pas m'aider. Si tu es un dard à terre, je ne veux plus aller dans cette église. Et ta mère. Amen. Ma chida zako. Des problèmes. Oui, père, que mêle à mouk. Amen. La présence de Dieu. Mouku. C'est lui qui veut le faire. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand ils sont l'église était dans le problème. Se sont soulevés. Ils ont prié. Ils ont veillé. Alléluia. Et ils ont changé l'atmosphère. Ils ont changé les choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se lever? Même si tu as des problèmes dans la maison, lève-toi. Et dis, je veux prier jusqu'à temps que je vais changer cela. Amen. Même si tu es dans des problèmes, même si tu es dans des circonstances, tu es capable de changer cela. La Bible déclare Jonas. Il a eu des problèmes. Mais Jonas, il était dans le ventre du poisson. Jonas a compris quelque chose. Il dit là où je suis, c'est seulement Dieu qui peut le faire sortir du ciel. Jonas, il a transformé le ventre du poisson au temple. Sortir ici, c'est seulement lui. Malgré que j'ai des difficultés, même là où je suis, il a prié. Bien aimé, écoutez-moi. Il a prié. Le ventre de poisson était devenu la chambre haute. Il priait la prière prophétique. Amen. Amen. Amen.
que je te verrai. Seigneur, je sais déjà que tu vas me faire ceci. Non, donner à Dieu le matériel. Est-ce qu'on peut dire amen? Je l'ai dit. Je sais, mon Dieu, que je te verrai encore dans les temples. Jonas dit, je sais, je te connais mieux, je te verrai dans les temples, je sais, je te verrai là. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui peut prophétiser pour sa vie? Alléluia. Les gens qui se promènent, au lieu de prier et déclarer qu'est-ce que tu seras demain, toi tu attends les prophètes. Et vous vous êtes déplacé de l'église à l'église pour chercher les prophètes. Et ce qui est un ami, moi, il est roulé. J'ai appris qu'il y a un prophète qui va venir. Mais je sais, c'est un couillage dimanche. C'est un couillage dimanche. Je ne savais pas les mots. Mais tu as un ami, il est roulé. Il est roulé. Pasteur, tu pasteur, yeah, on a qui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Le pasteur, lui, il n'a pas de vision. Il y a un prophète qui vient. Mais là, tu vas dire au pasteur que je ne serai pas à l'église de dimanche puisque je vais aller parler au prophète. Bien aimé. Amen. Le prophète. C'est la parole. Amen, amen. La Bible déclare. La parole de Dieu. C'est la prophétie par excellence. Si on peut dire amen, bien aimé, la Bible déclare. Ézéchiel était là. Ézéchiel n'allait pas mal parler. Bien, mais aujourd'hui, je veux t'apprendre la prière prophétique. La prière prophétique. Tu es en train de parler ce que toi tu veux que Dieu fasse. Bien aimé, la prière prophétique. C'est le matériel. Et toi tu vas donner à ton Dieu. Parce que notre Dieu, il est l'architecte. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et moi je vais dire à mon Dieu, qu'est-ce que je vais être? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a fait Ézéchiel et dit qu'est-ce que tu vois. Ézéchiel a la chose dit. Ézéchiel essaie de regarder. Et puis il dit. Non là. Ne fous pas. Ça comme des ossements. Tata la vie. Séché. Cave. Mais cave, mon mari. Amen. Je suis en train d'apprendre les soins aussi. Parce que je vais prêcher à mon corps. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui dit. Prophétise. Prophétise. Bien aimé. Quand on vous appelle, on dit prophétie, il y a des prophéties là-bas. N'allez même pas. Ce n'est pas mon Dieu. Mais la prophétie par excellence. Unabi, c'est la parole. Amen. Dieu lui dit. Prophétise. À ce moment. Ézéchiel se leva. Il a commencé à prophétiser. Il a parlé. Et la vie est terrible. Attends pas un prophète bien-aimé.
La prière peut changer les choses. La prière peut briser les chaînes. La prière, l'ange est entré. Il dit: Pierre, lève-toi. Il s'est levé. Il s'élève. Il dit: prends tes choses. Prends tes choses. Prends la ceinture. Mets tes sandales. Prends le manteau. Viens, suis-moi. Amen. Bien-aimé, je suis allé quelque part. C'était dans une conférence en Zambie. J'arrive là-bas. Il y avait une femme qui était malade pendant 7 ans. 7 ans. Et on m'amène cette femme-là. C'était avant la réunion même. On amena cette femme. Elle n'était pas capable. J'ai demandé à cette femme: qu'est-ce qu'il va pas? Le pasteur est so long. It's now 7 years. That I'm sick. Je suis malade. And I said to that mom, I said, today is your day. Today you will be free. Alors je demande à cette femme-là: qu'est-ce que tu rêves parfois? Elle m'a dit: je rêve, je suis dans un profond trou. Je ne suis pas capable de sortir. J'ai dit: aujourd'hui, Jésus va te faire sortir aujourd'hui. Mais je n'ai pas prié beaucoup. J'ai déclaré. J'ai dit au nom de Jésus: je prends cette femme-là en l'avenir. Je la remets. Au nom de Jésus. Paf, elle est tombée. Et elle s'est relevée. Elle dit: pasteur, ok. C'est presque. Amen. Bien-aimé, déclare pour ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu pries dans la maison, déclare. Déclare pour les enfants. Déclare pour ta vie. Déclare. Alléluia. Il faut changer la façon de prier. Il ne faut pas prier comme quelqu'un qui vient auprès de Dieu. He's begging God. Mandia kalomba. Alléluia. Fungurina. Faut pas venir comme ça là, comme un petit. Non, bien aimé. Je suis le fils. Dans la maison du Père. J'ai le droit. Dans cette maison-là. Je ne peux pas aller plaider envers mon Père. Non, j'ai le droit. Lève-toi. J'ai le droit. Amen. Alléluia. Amen. Déclare la parole. Priez, bien-aimé. Troisième chose. Témoignage. Témoignage. Allô. Amen. Témoignage. C'est là où nous avons le problème. Témoignage. Regarde ton voisin, témoignage. C'est là nous avons un peu de problème. Parce que nos témoignages. Il a nous qu'à ça. Ça sent mauvais. Alléluia. Amen. Nos témoignages. Ça sent mauvais. Il a nous qu'à vivre. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens ici. Christ, leur témoignage. Ils ne peuvent même pas inviter leurs voisins. Allô. Hey. C'est bon. Ah, non, c'est bon. Je t'y vais parler. Témoignage. Bonjour. Joy na tu funja kabisa. C'est qui nous brise. Témoignage. Joy na funja kabisa amour. C'est qui casse l'œuvre de Dieu. Dites amen. Amen. Témoignage. Jude. Joy kabisa mungu. C'est l'église de Dieu. Kabisa mungu asubu. Raison pour laquelle l'église de Dieu est un problème. À cause des témoignages. Dites amen. Amen. Que ce soit des pasteurs. Que ce soit des évangélistes. Des chantres. Tous ces membres-là. Nous avons un grand problème avec notre témoignage. Bien aimé.
dans le Seigneur. On les a appelés des chrétiens parce qu'ils marchaient comme Christ. Amen. Ils marchaient comme Christ. Ils parlaient comme Christ. Tout ce qu'ils faisaient, c'était comme Christ. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bien-aimé, la vie chrétienne ou le christianisme, c'est la continuité de la vie de Christ ici sur la terre. Est-ce que tu m'as compris? On nous appelle quand on te demande comment ça va très bien. Tu es chrétien, dis oui. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je suis ceci. Bien-aimé. Le christianisme. Au Christ. C'est la continuité de vie de la vie de Jésus. Ici sur la terre, on doit marcher comme Jésus. On doit agir comme Jésus. Mon témoignage n'est pas bon. Mais je vais aller chasser les démons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans l'église. Témoignage. Les gens doivent comprendre que cet homme-là, même si on le fait ceci, peut-être qu'il pourra agir. Mais à cause de son Dieu, il n'agira jamais. Bien aimé, nous sommes comme Daniel à Babylone. Daniel était à Babylone. Les Babylonais pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Mais Daniel était fidèle à son Dieu. Daniel, il pouvait représenter son Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons être les gens qui sont fidèles. Là où tu vis. Là où tu vis. Ne soyez pas des chrétiens d'ici à l'eau. Parce qu'il y a des chrétiens à court de route pour venir dans l'église. Quand ils quittent leur maison pour venir dans l'église. Dans leur voiture. C'est Wenge là, vive la musique. Quand on a fait à toi, ah, ils approchent ici à côté de l'église. À la carte. À la bébé Matou Samuel. Comment ça m'a Matou Samuel, allô. Dis amen. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de te parler, toi qui fais ça. Léo Rome, t'as qu'à faire un peu de temps pour faire ça. Alléluia. Amen. On doit être chrétien partout. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des chrétiens. Ils boivent à la maison. Si tu l'appelles, dis, je viens te visiter. Ah, pasteur, il y a Alléluia. Amen. Bien, gardez votre témoignage. Jalousement.
Makini sana ushuhuda. Haleluya. Kulikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa nyuma ya wanawake sana. Alafu na mimi nikaelewa haya mambo. Je parlais avec cet homme là. Nikaongea na wewe mtumishi. Je parlais avec lui, je parlais avec une autre personne. Sikuendana na yeye tena mtu mwingine. On lui est allé raconter cela. Tukaenda kukana kumweleza. Il est venu me voir à l'église. Anakuja na kanisa. Et puis il était là. Alikuwa très furieux. Yeye anakasirika. Il était. On peut pas blaguer avec la réputation là, ok? Et moi je dis, quand quoi déjà? Amen. On a écrit. Et puis il s'est mis assis. Et puis il s'est mis assis. Dans Zambie, là, il la sœur avec laquelle peut-être tu as fait des choses, puis tu l'as appelé. Niyeye Njou. C'est elle. Elle m'a dit que toi tu l'appelais même la nuit. Quand tu finis tes réunions, tu finis. Elle est là. 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 Ah, il faut l'appeler. Et son ami dit, arrête. Parce que cette femme-là va répéter les mêmes affaires. Ça ne sert à rien. Moi, homme de Dieu, tu dois te repentir. Pour de toi, Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, témoignage. Il faut garder votre témoignage. C'est très très important, bien-aimé. Alléluia. Amen. Témoignage. Là, le témoignage, nous avons deux volets. Premier volet, c'est le témoignage que moi je dois garder. Et deuxième volet, je dois témoigner à l'ennemi que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Premier volet, c'est moi qui dois le garder. Le deuxième volet, tu dois normalement témoigner à Satan. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare, ils les ont vaincus à cause du sang de Jésus. Et le témoignage de leur parole. Amen. Bien aimé, là-bas, je vais entrer un peu. Est-ce que je suis dans la suite? Je suis dans le camp? L'état. Il est déjà temps. Alléluia. Donc je dois arrêter là. Alors, ils les ont vaincus. À cause des témoignages de leur bouche. La victoire pour toi n'est pas négociable. Tu as déjà la victoire. Mais on te demande quelque chose. Quand il t'attaque, lève-toi et dis à l'ennemi que moi je suis un enfant de Dieu. Toi tu es sous mes pieds, tu ne peux pas me toucher. La Bible déclare, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bien aimé, tu dois témoigner cela à l'ennemi. Est-ce que tu me comprends? Lève-toi. Témoigne à Satan. Quand il vient t'attaquer, tu te lèves. Tu dis, hey, la Bible déclare, tu es sous mes pieds. La Bible déclare, j'ai reçu l'esprit d'adoption. Tu cries à Abba Père. Yes. Je suis un enfant de Dieu. Parce que le diable, il est au courant que tu es le fils de Dieu. Mais il vient te tenter pour savoir si tu as la connaissance. Amen. Mais quand il vient, tu te lèves. Toi, diable. Donc, au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame Doc. Et puis il va partir. Pourquoi? Parce que je suis en train de témoigner de moi-même. Que j'ai Jésus. Et que Jésus m'a donné la parole. Pour chasser les démons. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux comprendre? Jérémie. C'est
C'est fini? Il y a l'air, c'est l'air. Je n'ai pas encore parlé le quatrième. Pas encore. On va aller à Inne. Inne, la louange. Je vais aller plus rapide. Apportez la rap. La louange. Sifa. Allô? Allô? Est-ce qu'il y a des gens qui chantent ici? J'ai vraiment oui. Déjà vu six fois. Yes. La louange, bien aimé. Sifa en peine. Il y a des gens. Qui n'aime pas chanter. Ils arrivent dans l'église. D'ailleurs, il vient après que le monde où j'ai chanté. Et lui, il vient. En état. Tu dois chanter pour ton Dieu. Tu dois le glorifier. Il est digne d'être élevé. Bien aimé, on a arrêté Pierre et Silas, Paul et Silas. Allô. Amen. On avait arrêté Paul et Silas. Mais quand ils étaient en prison, ils chantaient pour la gloire de Dieu. Ils chantaient. La Bible déclare et les prisonniers les attendaient. Bien aimé, même si tu as des troubles, chante pour la gloire de Dieu. Bien aimé, quand tu te lèves et tu commences à chanter, tu dis à l'ennemi Satan, fais ta bouche. Parce que l'ennemi, il est commencé à douir. Mais quand toi tu te lèves, tu commences à adorer. Je vous dis, le trône de Dieu va descendre dans ta maison. Oh non, tu n'as pas compris. Amen. La Bible déclare, au ciel, il y avait personne qui avait un mot à dire. Mais quand l'ange a regardé, il dit voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Mais quand Jean a regardé, il n'a pas vu le lion, mais il a vu l'agneau. Amen. Je vais t'expliquer ça maintenant. Quand Jean a regardé, il n'a pas vu les lions. Il a vu l'agneau. Alléluia. Amen. Jean Johan ne pouvait pas voir les lions. Parce que
aimé, quand tu as des problèmes, lève-toi, commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Même si ça fait mal, on le simama. Tais-toi debout. Wana lele, wana wama wana. Wana lele, wana wama wana. Wana, c'est quoi? C'est le Seigneur. Quand on chante comme ça, dans la maison, il vient. Il va régner dans la maison. Et s'il y avait des problèmes, il vient et dit, esprit de blocage, sors au nom de Jésus. Et toi, les chaînes, tu seras brisé. Et c'est comme ça qu'il faut faire dans la maison. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, je voudrais donner les quatre clés pour résister à l'ennemi. Bien-aimé, je vous ai initié ce matin. Si tu le mets en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu le mets en pratique, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Lève-nous dans la présence de Dieu. Mais tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. Je ne sais pas ce que toi tu traverses. Mais je sais que la parole est là ce matin. La Bible déclare. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Et ce matin, tu as écouté la vérité. Et je sais que tu es libéré ce matin. Bien-aimé, je sais que tu es libéré ce matin. Parce que tu as écouté la parole de la vie. La parole de la vie. La parole de la vie. Et le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Comme l'ange était entré dans la prison. Dans la prison. Il est entré avec la lumière. Et les chaînes ont tombé. Les chaînes ont tombé. Ce matin. Ce matin, les chaînes sont en train de tomber maintenant. Les chaînes sont en train de tomber maintenant. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé. Ne sois pas dans la distraction. Il va te quitter ce matin. Il va te quitter ce matin. Les chaînes vont tomber ce matin. Il va te quitter ce matin. Il va te quitter ce matin. Il va te quitter ce matin. Les chaînes vont tomber ce matin. Je vois une grande bénédiction. Je vois, je vois. Ne soyez pas dans la distraction, bien-aimé. Ne soyez pas dans la distraction, bien-aimé. La puissance de Dieu est là. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Pour la puissance qui est en train de déverser ce matin. Merci, Saint-Esprit. Car les chaînes sont en train de tomber maintenant. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Car il y a des chaînes de célibat qui sont en train de tomber. Reçois maintenant la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois maintenant ce matin. J'enlève l'esprit de blocage dans ta vie ce matin. Je le prie au nom de Jésus. Esprit d'échec. Esprit d'échec. Je le prie ce matin. Je le prie ce matin. Reçois maintenant l'abondance. Reçois l'abondance. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois la prospérité. La prospérité. Reçois. Le Saint-Esprit est en œuvre. 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 Il va te toucher ce matin. Il est là 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 ce matin. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Il est là ce matin. Réclame ce que.
Thank you, Holy Ghost. Sentez-vous. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison du cœur. Merci pour la guérison du cœur. Merci pour la guérison physique ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.